Bonjour, c'est Vincent de Review en compagnie de Jonathan. Nous sommes au Manga Café V2 pour la 18e édition du Mag Review. Donc 18e émission avec un mois et demi de retard. Pourquoi un mois et demi de retard? Parce qu'on a essayé de vous retravailler un petit peu le concept de l'émission. Vous aurez droit à plus de tests, plus de news, plus de reportages, mais aussi à plus de prise en main produits. Donc en attendant de découvrir tout ça, on va passer aux news avec Jonathan. Oui Vincent, eh bien écoute, je suis ravi d'être à tes côtés pour cette nouvelle version du mag. Effectivement, comme tu l'as dit, un mois et demi de retard, pour raison de, pas de vacances, mais de travail intensif, on va dire. Alors, au sommaire de cette 18e édition, nous allons parler de Carrière IQ. Donc Carrière IQ, ou l'art de détourner vos données personnelles, ou en tout cas de les garder bien au chaud. Ensuite, nous irons faire un tour du côté des réseaux sociaux, avec les dernières mises à jour de Twitter ou encore Google+. Par la suite, nous verrons WebOS qui s'offre un nouveau statut. Nous parlerons également du triangle amoureux Samsung, Motorola, Apple, de la redondance et rien de vraiment neuf sous le soleil. Et enfin, nous verrons certaines rumeurs sur la Wii U. Donc ce sont des rumeurs d'ordre technique, côté hardware. Enfin, nous verrons tout ça plus en détail. D'accord. Bah, c'est parti pour les news alors. Salut à tous, bienvenue sur Review.com. Il est maintenant l'heure de faire le point sur les nouvelles marquantes de la semaine, de l'espionnage, des rumeurs et le nouvel épisode de la guerre des brevets. C'est tout de suite dans la rubrique News. Carrière IQ, vous ne les connaissez pas, pourtant eux vous connaissent. Ce petit logiciel qui a pour but d'optimiser vos connexions réseau ne serait en réalité qu'un logiciel espion. Le poteau rose a été découvert par un américain chercheur en sécurité du nom de Trevor Eckhart. Ce dernier a en effet été en mesure de déterminer que vos données sont enregistrées puis envoyées sur un serveur à l'aide d'un Keylogger, un programme capable d'enregistrer la plupart de vos frappes au clavier, ce qui est plutôt embêtant si vous envoyez des messages cochons à votre copine, mais encore plus pour qui se sert de son smartphone pour effectuer des transactions bancaires. Mais alors, où avez-vous attrapé ce méchant spyware? Eh bien nulle part, puisqu'il vous a été généreusement fourni par votre constructeur de smartphone ou encore votre opérateur téléphonique. Sur certains modèles, l'intégration de l'application est telle que sa désinstallation en devient presque impossible sans risque d'endommager le système d'exploitation. Et aux États-Unis, des associations de consommateurs ont d'ores et déjà porté plainte, réunissant sur le banc des accusés Carrière IQ, mais aussi Apple, Motorola, HTC et Samsung pour ne citer que. Trois chefs d'inculpation ont été retenus, stockage illégal de données numériques, fraude informatique et espionnage. Après la guerre des brevets, voici notre nouvelle série hebdomadaire. Rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode. Les réseaux sociaux passent à la mode automne-hiver et aux ajouts de fonctionnalités, à commencer par Twitter pour qui la tendance vestimentaire de 2012 s'annonce sobre et harmonisée, tablette et PC confondus. Plus sobre, son interface se veut aussi plus fonctionnelle, du moins pour ceux qui trouvent cette refonte visuelle nécessaire. Les nouveautés n'étant pas nombreuses, même s'il faut noter l'apparition d'un onglet découverte, remplaçant la classique barre des recherches, mais aussi une inversion des menus et des flux, qui passent de gauche à droite et inversement. En revanche, du côté de Google, on a troqué l'esthétique contre les fonctionnalités, en effectuant une mise à jour majeure attendue depuis longtemps par les utilisateurs du réseau Google+. Il est maintenant possible de retrouver ces cercles directement intégrés dans la rubrique Contacts sous Gmail. Cet ajout de poids vous permettra donc, dans un premier temps, de regrouper vos contacts et puis d'envoyer un mail à tous les membres d'un seul et même cercle. Elle est pas belle, la vie. Encore un rebondissement, et qui pourrait bien être le dernier dans l'épopée WebOS, annoncé par le nouveau CEO d'HP, Meg Whitman. L'ex-système d'exploitation de Palm va devenir open source. Une dernière tentative désespérée pour tenter de donner un second souffle à l'OS qui avait pourtant tout pour plaire. Reste à voir comment cette nouvelle sera accueillie par la communauté open source, qui verra peut-être dans cette annonce une façon pour HP de se dédouaner de l'échec de son système d'exploitation, à moins qu'il ne permette aux utilisateurs de tablettes et de téléphones sous WebOS de bénéficier de mises à jour régulières, mais rien n'est moins sûr. Toujours est-il qu'on ne peut s'empêcher de regretter qu'HP n'ait pas essayé de relancer commercialement WebOS et se soit contenté de redéfinir son système d'exploitation en open source. Quant à l'avenir du constructeur sur le marché des tablettes et des smartphones, rien ne laisse penser que la marque s'y aventurera malgré cette annonce, du moins si Windows 8 ne passe pas par là.
presque 2 mois d'absence, il fallait bien qu'on vous en parle. Chers lecteurs, asseyez-vous confortablement dans votre fauteuil, c'est l'heure de votre feuilleton préféré, la guerre des brevets. Alors par où commencer ? Souvenez-vous, il y a quelques mois, Apple attaquait Samsung en Allemagne pour violation de brevet sur l'esthétique de l'appareil, obtenant ainsi une interdiction de vente de la Galaxy Tab 10.1 sur le territoire allemand. La réponse de Samsung ne s'est pas fait attendre, avec l'annonce de la Galaxy Tab 10.1N, qui suffira à la justice allemande pour lever l'interdiction de vente de la tablette sur son territoire. Par la suite, le géant coréen décidera d'attaquer la pomme en France pour, tenez-vous bien, violation de brevet, tentant ainsi d'interdire la vente d'iPhone et d'iPad dans l'Hexagone. Par la suite, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Samsung en raison du manque de pièces apportées au dossier et de la disproportion entre le préjudice subi et les indemnités demandées par Samsung. Mais il est un peu tôt à Cupertino pour déboucher le champagne, puisque Motorola vient d'obtenir gain de cause contre Apple devant la cour de justice de Mannheim en Allemagne, toujours pour violation de brevet, en référence à l'utilisation de la norme GPRS développée par ce dernier, le rachat de la marque par Google n'étant pas innocente. Si un jugement définitif devrait être rendu en faveur de Motorola, cela pourrait bien aboutir au retrait de tous les appareils utilisant la technologie GPRS du marché allemand, ce qui implique tous les modèles d'iPhone et l'iPad 3G. En définitive, celui qui a tout compris, c'est Microsoft, qui récolte les royalties grâce à ses différents arrangements à l'amiable avec les différents constructeurs de smartphones. Apple et Samsung feraient mieux d'en prendre de la graine. Deux jours, deux rumeurs. Si le monde des consoles n'est pas ce qui vous intéresse le plus, passez votre chemin. Sinon, restez, car les derniers bruits de couloir concernant les caractéristiques techniques de la Wii U sont plutôt intéressants, car ils nous permettent de se faire une idée sur la véritable puissance de la console. Au menu, un processeur quad-core gravé en 45 nanomètres, cadencé à 3 GHz, 768 Mo de RAM incorporé au CPU partagé avec la puce graphique, et justement, en parlant de chipset graphique, il sera développé par AMD, comme ce fut le cas pour la Wii première du nom, quand ATI était encore une entité à part entière. Comme d'habitude, avant chaque sortie d'une nouvelle console, les rumeurs les plus folles fusent sur la toile, certains pensant que la Wii U ne sera que du niveau d'une Xbox 360, et d'autres clamant haut et fort que la nouvelle représentante de la firme Nippon le sera bien plus. Pour l'instant, difficile d'en juger, d'ailleurs pendant que certains spéculent sur sa puissance, d'autres se lâchent carrément en annonçant des prix de vente, voire des réservations, comme par exemple Carrefour qui n'hésite pas à lister la Wii U à 450€ sur son site internet, ou encore Amazon qui liste pour sa part deux jeux, Batman Arkham City et Assassin's Creed, au prix de 49€. S'il ne s'agit ici que de rumeurs, on ne peut s'empêcher de penser que si certains revendeurs prennent le risque d'afficher de tels prix aussitôt, c'est que le prix définitif pourrait en effet s'en rapprocher, et ça ce n'est pas un mal. Après, concernant les caractéristiques techniques de la console, on croise les doigts pour qu'elle n'ait pas un train de retard par rapport à ses futurs concurrents. Donc voilà, c'est maintenant fini pour la partie news. Donc comme on vous le disait au départ, on s'est rendu à Paris, au Manga Café version 2, afin d'y rencontrer les gens sur place, de leur présenter le Asus UX31. Donc l'intérêt est de faire une prise en main, de laisser aux gens qui puissent l'essayer, le tester et surtout nous donner leurs impressions. Donc nous allons voir ce que ça donne. Cet ordinateur, je le trouve très très beau. Il a un très bon design, il est vraiment très fin et il a l'air vraiment très pratique pour mettre dans un sac. Donc le nouvel Asus, il est pas mal, hein, il est facilement maniable, il est assez rapide. Donc en tout cas, il est plus rapide que le portable que j'ai à la maison. Pas trop gros, pas trop lourd non plus, ce qui est pas mal. Alors, je vais l'ouvrir. Bon, petit bémol à la façon de l'ouvrir où on est un peu plus en galère dès qu'on n'a pas d'ongles. Bon, c'est un détail, mais je trouve les bords un petit peu trop saillants.
à mon goût. Moi déjà, je le trouve vraiment magnifique extérieurement. La finition, je trouve, est très, très haut de gamme. J'ai l'impression qu'il est très léger, il a une très bonne autonomie, il a l'air d'avoir un processeur très puissant. Donc le bémol, c'est peut-être qu'il n'a pas de lecteur optique, mais bon, ça c'est un peu le lot de tout ce type d'appareil. Donc je suis Mac. Non, il est beau, hein. Et puis il a l'air solide, quoi. Il est pas, quand on le replie, on a l'impression de se retrouver avec quelque chose qui va se rouvrir tout de suite. Ben, c'est vrai que d'habitude, j'aime pas beaucoup utiliser le touchpad parce que moi, je suis pas très à l'aise, donc j'utilise une souris avec les ordinateurs portables. Mais sur celui-là, en fait, c'est très glissant, c'est très, très fluide, alors j'ai beaucoup de facilité à faire bouger le curseur. Le touchpad, je trouve qu'il a un rendu un peu bizarre. Il a un petit clic. Donc je trouve pas ça forcément très agréable, mais ça peut-être qu'on peut s'y habituer. Il est assez grand. J'ai essayé de voir s'il était multi-touch. L'écran il est assez bien. Il est sympa, ouais. Le pad aussi, ça répond très bien, c'est assez doux. Il y a une bonne sensibilité, ce qui est pas mal du tout par rapport aux premières configurations. Sauf que j'aurais bien aimé un clavier numérique. Voilà, sinon à part ça, ça va, c'est correct. Après... C'est bizarre parce que je pense qu'à un moment, les constructeurs devraient un peu se détacher de l'esthétique Microsoft pour avoir leur propre esthétique comme Mac, là. Et Asus, ils devraient avoir ça devrait apparaître, là, à part sur le fond d'écran, on est dans un monde Microsoft et je vois pas en quoi ils se différencient les uns des autres. Je serais assez client, si ce n'est qu'il manque un peu de connectique. Et peut-être le plus gros bémol, ce serait la dalle brillante. Qui fait beaucoup de reflets comme toutes ces dalles brillantes. Et ça, il faudrait vraiment que les constructeurs arrêtent d'en mettre systématiquement. Voilà. Donc voilà, le Mac Review 18, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus d'informations. À bientôt. Au revoir et bonne semaine à tous. Putain, c'est pas en plus que je fais ça. Quand je... C'est Vincent de Régio. Hein. Et merde, je vais passer dans le bêtisier. Ouais, allez. Bonjour, d'ailleurs. Et je me perds. Je sais pas. C'était bon, hein. Bonjour, c'est Vincent de Review en pot de compte.